Merci. La parole est à Meyer Habib pour le groupe UDI et pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. La progression terrifiante et constante des départs de djihadistes vers la Syrie et le retour de ces derniers, de ces terroristes potentiels, font peser sur notre pays des menaces que nous ne pouvons plus sous-estimer. 1089 Français répertoriés, vous le rappelez, Monsieur le Rapporteur, sont impliqués dans le djihad. Combien d'entre eux envisagent de passer à l'acte? 10%, 5%, ne serait-ce que 1%. Imaginez le désastre si 10 Mohamed Berra venaient à commettre des actes terroristes sur notre sol. Par ailleurs, combien de Français partis au djihad ne sont pas répertoriés par nos services? Monsieur le ministre, le 15 septembre dernier, lors de la première lecture de ce projet de loi, je leur rappelais que le terrorisme était à nos portes. Depuis, force est de constater qu'il n'a fait que frapper plus haut, il n'a fait que frapper plus fort, sans limite dans l'horreur. En effet, quelques jours plus tard, l'un de nos compatriotes, un paisible guide de haute montagne, Hervé Gourdel, a été massacré sauvagement. On a exhibé sa tête, et ceci sur une vidéo de près d'un quart d'heure insoutenable. Je tenais évidemment à lui rendre hommage aujourd'hui. Cet assassinat, mais aussi les attaques de loups solitaires à Ottawa, à New York et à Jérusalem, nous montre avec effroi que la question, hélas, n'est pas de savoir si un prochain Toulouse aura lieu, mais plutôt quand il aura lieu. De grâce, arrêtons de nous voiler la face, ouvrons les yeux. Nous sommes dans une situation d'urgence et de crise mondiale, face à une vague de violence aveugle et sans pitié. Peut-être, Monsieur le Ministre, la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes revenus à des guerres de religion pires qu'au Moyen-Âge, ou plus exactement, nous sommes revenus aux guerres d'une religion. Dans une telle situation, la France devait de réagir. Vous l'avez fait, Monsieur le Ministre, en adaptant l'arsenal juridique de notre pays aux nouvelles réalités du terrorisme, afin qu'aucun outil, aucun moyen de détection, d'identification et de répression ne manque à celles et à ceux qui le combattent. Monsieur le Ministre, le groupe UDI a déjà, en première lecture, salué certaines mesures de ce projet de loi. Je pense en particulier à la transformation des délits de provocation à la commission d'actes terroristes et d'apologie du terrorisme en délits terroristes. Le groupe UDI avait d'ailleurs proposé cette réforme en 2012, laquelle devrait améliorer la répression de la propagande terroriste. Notre groupe salue également les dispositions de l'article 9 qui prennent en compte les conséquences d'une utilisation intensive d'Internet comme moyen de propagation et de recrutement. Ce texte a également le mérite de créer un délit d'entreprise individuelle terroriste qui permet de poursuivre les personnes isolées qui commettent ou préparent des actes de nature terroriste. Enfin, l'une des dispositions essentielles de ce texte est bien la création d'un dispositif d'interdiction de sortie du territoire, indispensable si nous voulons faire face à la recrudescence de départ de jeunes Français vers des zones où l'apprentissage de la lutte armée se double d'un embrigadement idéologique. Pour autant, le groupe UDI reste bien conscient des limites de ces dispositions. À titre personnel, si vous le permettez, je regrette que sur certains points, le texte n'ait pas été plus loin et qu'aucune des propositions constructives, vous le rappeliez, Monsieur le député Goujon, tout à l'heure, aucune des propositions constructives de l'opposition n'ont été adoptées. Ne serait-ce que les plus évidentes, la lutte contre le terrorisme, Monsieur le ministre, n'est pourtant ni de droite ni de gauche, c'est une cause nationale. Je reste convaincu que des mesures plus directes pouvaient être intégrées au texte. J'ai ainsi proposé un amendement pour sanctionner lourdement le fait d'exhiber des drapeaux terroristes en plein Paris, ces drapeaux de la haine, de Daesh, du Hezbollah, du djihad islamique qui ont été brandis pendant des heures de façon impunie et scandaleuse en juillet dernier en plein Paris. Je regrette que cet amendement n'ait pas été retenu au motif que l'exhibition des drapeaux accompagnée de messages explicites tombe sous le coup de l'article 4. En matière de terrorisme, mieux vaut légiférer deux fois qu'une. Je regrette également que des mesures fortes n'aient pas été adoptées pour priver de prestations sociales les individus engagés aux côtés des djihadistes ou encore en priver leurs familles lorsqu'ils sont mineurs. La création d'une commission sur les abus de versement de prestations aux Français ayant quitté le territoire dans le but de participer au djihad, à laquelle œuvrent mes collègues Thierry Mariani et Alain Marceau, permettra, je l'espère, de dépasser certains écueils de la loi.
Concernant les binationaux impliqués directement dans le terrorisme, nous n'aurons pas le choix. Il nous faudra envisager un jour ou l'autre une déchéance de la nationalité. Il nous faudra également envisager l'interdiction du retour avec un autre passeport et une interpellation immédiate, le cas échéant, dès le premier pas foulé sur le territoire français, ceci quitte à donner lieu à certains changements constitutionnels. L'exercice est difficile, car contrairement au terrorisme, nous avons des considérations du respect de l'autre, des considérations humanistes qui limitent notre capacité d'action. Et c'est normal, et c'est bien normal. Or, la morale est totalement absente de l'idéologie terroriste, et cet ennemi profite du fait que nous en ayons une. Par ailleurs, le projet de loi, dans sa version finale, ne mentionne plus de mesures spécifiques au milieu carcéral, alors que l'on sait pertinemment que les prisons sont un terreau propice au dévoiement de l'islam, une fourmilière du recrutement djihadiste. Je n'ai absolument pas été convaincu, monsieur le ministre, par la réponse cet après-midi du garde des Sceaux, madame le garde des Sceaux, à mon collègue Guillaume Larrivé, lors de la séance des questions au gouvernement. La garde des Sceaux n'a qu'un seul mot à la bouche, ne pas stigmatiser. Mais or, il ne s'agit pas de stigmatisation, il s'agit de réalisme, il s'agit de pragmatisme. Enfin, si vous le permettez, le point crucial pour lutter contre le terrorisme, en amont reste la dimension géopolitique, parce que le terrorisme ne naît pas du néant. Or, cette dimension essentielle de notre combat n'est pas abordée dans le texte. Il est pourtant impératif de lutter de façon plus systématique, sans distinction aucune, contre les États qui soutiennent et abritent les organisations terroristes. On ne peut voter une loi prenant, comme aujourd'hui, des dispositions actives pour combattre le terrorisme et en même temps entretenir au même moment des relations, quelles qu'elles soient, avec de tels États. Le terrorisme ne peut se développer que parce que des pays lui apportent leur concours logistique, financier, idéologique ou militaire. Or, ces pays, monsieur le ministre, nous les connaissons et, hélas, nous les fréquentons. L'Iran, tout d'abord, État terroriste qui appuie et finance des organisations djihadistes. L'Iran, dont les dirigeants actuels ont été impliqués directement, 8 mandats d'Interpol, dans les actions comme les attentats de Buenos Aires, ayant coûté la vie à 100 de personnes en Argentine en 1994. Ce même Iran qui trompe l'ONU depuis plus d'une décennie et cherche à obtenir la bombe nucléaire à tout prix. On se demande bien pourquoi, monsieur le ministre. Ne soyons pas dupes. Si l'Iran de Rouhani fait mine aujourd'hui de s'asseoir à la table de négociation, c'est uniquement pour obtenir la levée des embargos et pour gagner du temps dans la constitution d'un arsenal nucléaire militaire. Et qu'arriverait-il aujourd'hui si ces groupes djihadistes, qu'ils soient chiites ou sunnites, ou qu'un État comme l'Iran ou l'État islamique avait entre leurs mains des armes de destruction massive? Ils s'en serviraient immédiatement ou à moyen terme, comme en Syrie, sans la moindre hésitation. Il ferait preuve d'un zèle idéologique sans égal au moyen de ces armes. Monsieur le ministre, si l'Iran de Rouhani se présente aujourd'hui sous un jour plus plaisant que celui d'Ahmadinejad, ce n'est qu'une tactique qui ne l'a pas empêché d'exécuter 852 de ses citoyens au cours des 15 derniers mois. Nous étions hier, plusieurs dizaines de parlementaires, de tous les bancs de l'Assemblée nationale, communistes, écologistes, socialistes, centristes, UMP, réunis au sein d'une conférence du comité parlementaire pour un Iran démocratique en présence de l'ancien Premier ministre de M. Mitterrand, Mme Edith Cresson. Nous avons visionné des images glaçantes d'agressions à l'acide de femmes jugées insuffisamment couvertes. Il faut agir vite. La France ne peut pas rester silencieuse. Samedi dernier, Rehane Jabari, 26 ans, a été pendue publiquement pour s'être légitimement défendue et avoir tué l'homme qui l'a violée. Malgré cela, il y a quelques semaines, j'ai été invité d'une grande chaîne de télévision à Paris, en présence de l'ancien ambassadeur de France en Iran. Et quel était le sujet du débat? Je vous laisse deviner. La communauté internationale doit-elle, oui ou non, s'allier avec l'Iran pour lutter contre le djihadisme? Mais dans quel pays vivons-nous? Un pays comme, où je le disais au ministre de l'Intérieur le 8 octobre dernier, lors de la manifestation œcuménique. Au lendemain de l'égorgement d'Hervé Gourdel, une manifestation qui a réuni l'ensemble de nos concitoyens des trois religions. Combien de personnes y avait à cette manifestation? 500 personnes, alors qu'elle aurait dû réunir 500 000 personnes. Alors que des manifestations cet été en faveur du mouvement terroriste et djihadiste du Hamas, au cours desquelles on a scandé « mort aux Juifs », ont réuni près de 30 000 personnes à Paris. Nous marchons sur la tête. L'Iran donc, mais aussi la Syrie, qui a abrité pendant des années des antennes terroristes les plus variées et qui est le théâtre de massacres et de gazages de part et d'autre. 200 000 civils dans un silence attourdissant. La Syrie,
Je rappelle que Bachar el-Assad peut pavoiser il y a peu de temps sur les Champs-Élysées aux côtés du président de la République. Le Liban ou le Hezbollah, je parle de l'Iran, de la Syrie, du Liban, le Hezbollah, bras armé de l'Iran, mouvement terroriste responsable entre autres de la mort de 58 Français lors de l'attentat du Drakkar, ainsi que notre ambassadeur Louis Delamarre, est doté de 8 portefeuilles gouvernementaux et a été reçu il y a peu de temps à l'Assemblée nationale. Le Qatar, avec qui nous sommes en plein fleur depuis des années et qui finance de nombreux mouvements djihadistes, ainsi qu'une partie des mouvances islamistes en France. Et la Libye, où les ministres islamistes remplacent un dictateur sanguinaire, lui aussi reçu à Paris. La lutte contre le terrorisme doit être absolue, totale. Nous ne pouvons pas, monsieur le ministre, entrer en guerre à reculons ou par procuration. Nous ne pouvons pas déclarer que certaines lignes frontalières aériennes ne seront pas dépassées ou qu'en aucun cas nous ne déplorons jamais de forts terrestres. C'est une preuve de faiblesse, c'est peut-être même une preuve de peur. Oui, nous avons fait des erreurs graves et nous continuons à en faire. Nous n'avons pas été suffisamment constants dans notre approche, à droite comme à gauche. Cet été encore, la diplomatie française a condamné Israël, seul État démocratique du Moyen-Orient, en première ligne contre le djihadisme qui défendait ses civils contre la menace terroriste du Hamas. La France a parlé de disproportion, de massacre. Lorsqu'on combat le terrorisme, il n'y a pas de proportion. Sans le dôme de fer, les 5000 roquettes et missiles tirés par le Hamas auraient fait des centaines, voire des milliers de morts. Alors la réaction d'Israël aurait été alors plus proportionnée. Encore une fois, monsieur le ministre, il n'y a pas de bon... Il faut conclure. Il faut vraiment conclure. Voilà. Encore une fois, madame, monsieur le ministre, il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes. Daesh, Al-Qaïda, le Hamas, le Hezbollah, Boko Haram sont autant de ramifications du terrorisme, du djihadisme et de l'obscurantisme. Ces dernières années, certains ont cherché à leur trouver une légitimité intellectuelle ou philosophique. Là, il aurait fallu les décapiter, c'est le cas de le dire, pour utiliser un langage qu'ils aiment tant. C'est donc une condamnation morale implacable du terrorisme qui doit constituer notre première ligne de défense. Enfin, nous ne restons pas uniquement dans la sanction. Beaucoup reste également à faire dans le domaine de l'éducation et de la prévention. Je rappellerai ainsi mes propos du 15 septembre dernier. Un homme, quel qu'il soit, ne n'est pas terroriste. Il ne n'est pas raciste ou antisémite. C'est un point dont nous parlons peu, mais dont il nous faudra traiter ensemble très prochainement. Merci. Chers collègues, je conclurai. Malgré ces bémols, le groupe UDI considère globalement que le projet de loi que nous avons entre nos mains, à condition qu'il s'accompagne d'une nécessaire dimension européenne et internationale, va dans le bon sens et devrait renforcer uniquement donc l'arsenal préventif de la France. C'est pour cela que le groupe UDI votera ce projet de loi. Je vous remercie des 2 minutes supplémentaires, Madame la Présidente. Merci.